constater la gravité des crimes que la Chambre conclut. En conséquence, je suis avocat au barreau du Tchad. En tant que victime, nous aurions souhaité que Hissène Habré puisse vivre longtemps et qu'il puisse assister même à l'indemnisation des victimes. Mais dommage, il est parti très tôt. On aurait, au vu de sa condamnation à perpétuité, ça ne veut pas dire qu'il devrait partir si tôt. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi, il est parti, nous déplorons son décès. Mais la lutte continue. C'est l'Union africaine qui a été un des acteurs de la mise en œuvre. Il ne se passera rien du tout. La lutte pour l'indemnisation va continuer. Parce que je crois qu'au niveau de l'Union africaine, les chefs d'État africains ont créé un fonds fiduciaire au profit des victimes, au profit de l'indemnisation des victimes de Hissène Habré.